J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo nose, mais avant, j'ai reçu de la part de Brigitte, t'inquiète. Donc bien sûr, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la découvrir. Brigitte, elle est vraiment adorable. Donc en fait, elle m'a, parce qu'elle avait reçu dans une box un thermoprotecteur pour les cheveux. Et moi, j'avais dit que ben j'espérais avoir le même dans la mienne. Et du coup, ben, j'ai pas reçu. Donc gentiment, elle me l'a envoyé. Sauf que, donc je l'ai reçu, bien sûr. Et Léa. Et eh bien en ce moment, elle aime beaucoup les produits à maman. Donc elle m'a dit, je regarde les produits parce qu'elle m'a offert donc le produit puis deux autres petits trucs que j'ai réussi à récupérer. Donc ça, je suis contente. Mais le spray thermoprotecteur, elle m'a regardé, elle a dit, moi, maman, cacache. Et puis moi, sur le coup, enfin, maman, cacache, oui, bon, viens, on se voit cache-cache, quoi. Mais en fait, non, c'était pas maman cacache, c'était le produit cacache. Donc j'ai regardé dans sa chambre, je l'ai pas trouvé. J'ai regardé dans ma salle de bain, j'ai pas trouvé. Donc je sais pas où elle me l'a caché, Brigitte. J'en suis désolée, parce que pour l'instant, je peux pas le tester. Mais Léa m'a dit maman cacache. Donc bah maman, dans la merde. Mais en tout cas, je voulais vraiment te remercier parce que c'est un geste qui est super adorable. Donc moi aussi, je te prépare une petite enveloppe, j'attends encore un petit produit. Et je t'enverrai tout ça, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai eu. Je sais pas si on verra bien, je fume à la lumière naturelle, il est je sais plus quelle heure, mais là il fait bon, donc voilà. Donc bien sûr j'avais une petite lettre que je garde pour moi, enfin une petite carte. Et comme elle sait que j'adore les produits pour les cheveux, elle m'a mis la marque Aptivita. Donc c'est un masque pour les cheveux à l'acide hyaluronique, donc je ne connais pas du tout, donc merci beaucoup. Il y a aussi le spray thermoprotecteur. Kekakash, et elle m'a mis un soin quotidien cheveux Figue de Barbarie bio. La marque chez Harry. Je l'ai dans une box, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc, comme ça, si j'aime bien, c'est cool. Je l'aurai deux fois. Donc, ma belle Brigitte, je te remercie du fond du cœur. Je suis super contente. Ça me fait très, très plaisir. Merci beaucoup. Et je vais essayer de retrouver le produit Kekakash. Je vous mettrai bien sûr sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner parce que Brigitte est une personne adorable. Je me répète, mais c'est vrai. Ensuite, j'ai joué à un concours. Donc, sur le Facebook de. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Shogun Jess parce qu'elle fait du VDI. Donc, pour la marque Shogun. Et elle avait fait un concours. Et du coup, j'ai participé et j'ai eu la chance de gagner. Donc, je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai gagné. C'était super bien emballé. On avait le droit à un gel douche et. Un parfum, donc c'est pas les parfums comme Sephora, Nocibé ou quoi, mais c'est en gros, si je l'ai compris pour comme ça. Alors, si je me trompe, Jess, bien sûr, je te dirai quand j'aurai fait cette vidéo pour te remercier. Si je me trompe, n'hésite pas à me le dire. Donc, elle m'a mis sa petite carte, je vous mettrai bien sûr tout en barre d'infos. Et il me semble, je crois, même je suis sûre qu'elle a une chaîne YouTube, donc je vous la mettrai aussi. Et donc, ils font des parfums pas très chers. Alors je vais dire inspiration, vous savez, La vie est belle et tout ça, enfin, et plein d'autres marques. Donc moi j'ai pris pour moi, parce que je crois que c'était un parfum pour homme et un gel douche pour femme. Donc moi j'ai pris, donc c'est la marque Shogun Fragranzato. Voilà, donc c'est un gel douche comme ça. Il y a quand même 250 ml. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai vu que les gels douches comme ça c'était 7,50 €. Et moi j'ai pris à celui odeur La vie est belle parce que j'aime beaucoup La vie est belle. Et franchement, il sent. Ah ouais, c'est dingue. Ça sent vraiment La vie est belle. Donc ça, je te remercie parce que j'ai vraiment hâte de le tester. Et Jonathan voulait le Invictus. Je crois que c'est de Paco Rabanne, si je dis pas de conneries. Et du coup, donc elle m'a dit qu'elle l'avait. Et je crois que les parfums, donc ça c'est un 35 ml et ça doit être 15 € ou 15,50 €. Et un 100 ml c'est 30 €. Et franchement je trouve que pour les prix c'est quand même raisonnable parce que quand tu regardes un parfum, genre moi celui que je prends La vie est belle ou quoi, le 100 ml, la dernière fois je l'ai payé ouais, presque 80 balles. Donc il y a quand même 50 € d'écart. Et encore, je crois que c'était un 50 ml, je crois que j'avais pris. Enfin, voilà. Je trouve que ça vaut le coup. Maintenant, à voir comment ça va tenir et tout ça. Mais on a déjà pchité pour sentir. Et franchement, il sent vraiment la même odeur. Et le packaging. Donc, ça, c'est l'emballage. Hein, quelque chose de très simple, marqué Shogun, la composition et tout ça. Donc, il y a 35 ml. Et par contre, le packaging. Waouh!
Ça, j'aime beaucoup. Cet effet comme ça, il est vraiment super joli. Il y a 35 minutes, vous le mettez sur votre coiffeuse ou dans votre salle de bain. Je trouve que quand même, ça fait un très très beau cadeau. Et je suis vraiment, je ne connaissais pas et j'étais très sceptique. Je suis vraiment agréablement surprise. Donc voilà, comme ça. Et l'odeur, franchement, on a pchité sur Noël, ça sent vraiment. Que tu sentes de ce côté-là où il y a le pchit, ou là, ou même dans le capuchon, et quand même j'ai sorti les produits, ça sent vraiment super bon. Donc ma belle, je suis très contente d'avoir gagné ton concours. Et j'ai vraiment hâte de tester les produits plus en profondeur, le gel douche et tout ça, pour voir si ça reste vraiment sur la peau et tout ça. Et voir s'il tient aussi bien qu'un parfum. Mais franchement, si ça tient aussi bien qu'un parfum et tout pour le prix, ça ce sera un bon plan. Donc bien sûr, je vous en reparlerai quand Jonathan l'aura testé, que moi j'aurai testé le gel douche. Ensuite, avant de passer sur Noz, j'ai acheté trois trucs à Lidl. Donc j'ai acheté de la marque Olivier Pure by Siam. Donc c'est une crème pour le visage, soin intensif et hydratant, 24 heures. C'est vegan. Donc c'est comme ça. Par contre, les prix, je les ai pas. Je crois que c'était 2 euros ou 3 euros. Enfin, les produits, voilà, maxi 3 euros. Mais pas plus que 3 euros. Parce qu'en fait, on a fait les courses avec mon papy. Et du coup, bah, lui, comme il avait ses courses à lui, bah, il a gardé le ticket de caisse. Donc, bon, bah, j'ai pas les prix, mais je crois que c'était, voilà, 2,99, 3 euros. Maxi, les produits, c'était moins de 3 euros. Ensuite, j'ai pris un soin pour les cheveux. Donc, c'est un soin pour les cheveux gingembre et basilic. Et 97% de composants d'origine naturelle, y compris eau, sans silicone. Donc, ça, j'ai vraiment hâte de tester. Pareil, ça devait être 2,99, quelque chose comme ça. Et j'ai pris aussi le shampoing, mais lui c'est à 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc tout est vegan, pardon, j'ai oublié de le dire. Donc c'est Botanic Garden by Sien. Et lui c'est à l'huile d'argan et extrait de fleurs d'oranger. Donc ça c'est pareil, hâte de tester. Donc on va tout de suite passer à Noz. Donc à Noz, comme j'ai jamais assez de shampoing et d'après shampoing, on est reparti. J'ai pris de la marque Hello Nature. 97,2% pareil de l'ingrédient d'origine naturelle, c'est bio. Donc il se présente comme ça. Alors lui, il est huile de coco, hydratation et régénération. Donc ça c'est top. Et 1,79€. Et j'ai pris l'après-shampoing, mais à l'argan et 95,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Pareil, 1,79€. Donc ça vaut le coup. Au niveau shampoing et soins, pour l'instant, je suis pas mal, mais on n'en a jamais assez. Ensuite, j'ai pris parce que on commence tout doucement un peu certains cadeaux pour dans quelques mois. Donc, j'ai pris une poupée comme ça. J'ai trouvé vraiment super mignonne. Et puis, bah, je l'ai prise. Et puis, elle n'était pas très chère. Donc, 4 euros, hop, 95. Donc, pareil, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris de la Reine des Neiges. C'est un set comme ça, que j'ai trouvé super joli. Pareil, pas très cher, 2,99. Ça, c'est pareil, ça vaut le coup. Parce qu'en ce moment, il y a des jouets qui sortent qui sont pas chers. Et je trouve que bah, ça vaut le coup. Donc, bah, autant commencer petit à petit. On a pris pareil pour Eléa. Parce que Eléa, elle est fan de Miraculous Ladybug. Donc, on lui a pris un petit sac comme ça à dos qu'on a payé 1,20€. Donc, ça, pareil, super bon plan. Ça vaut le coup parce qu'un sac Miraculous, on sait que ça vaut quand même super cher. Ensuite, pour Nono, on lui a pris une tasse Avenger que j'ai payé 1,50€. Donc, bien sûr, je vous mettrai les arrivages parce que j'ai pris un peu de temps avant de faire ma vidéo. Mais voilà, ça vient des arrivages. Donc, je vous le mettrai dans le petit. Donc, ça, pareil, ça vaut le coup. J'ai pris une fleur de douche comme ça que j'ai payé 55 centimes. Donc ça, on en a toujours et ça vaut le coup. Besoin et ça vaut le coup. Et trois masques comme ça. Donc j'ai pris un masque hydrate, protège et répare la peau. J'espère qu'on aura le petit truc comme ça sur le masque là. Vous savez, comme ceux d'Action, des fois, ils font des petites figures dessus. Donc ça, c'est cool. Et je l'ai payé 99 centimes. J'ai pris un patch point noir comme ça. Pareil, c'était 99 centimes. Et j'en ai pris un autre à 79 centimes. Donc comme ça, je verrai lequel des deux est le mieux. Ensuite, j'ai pris un highlighter de la marque Mua Makeup Academy. Donc il se présente comme ça. Il était à 75 centimes. Donc franchement, ça valait le coup. Je vais l'ouvrir pour voir ce que ça donne. En plus, je suis pas maquillée. J'avais pas envie. Il fait trop chaud. Donc oh, ça va être un truc comme j'aime, un peu bleu et tout, avec des paillettes ou des reflets. Oh là là!
faut que ça a coupé. Je vais vous représenter. Donc j'ai acheté l'highlighter de la marque Mua Makeup Prism Oceanic Wonder. Mais je l'ai ouvert et puis j'en ai mis un peu sur le dos de ma main. Mais en fait, un peu. Il y en a un peu trop qui est tombé. Donc je vous montre comme ça. Mais waouh, il est pigmenté quoi. Waouh, ça c'est les trucs que j'aime. Un peu, vous savez, bleu, violet et tout. Franchement, j'en ai un highlighter un peu de cette couleur, j'aime beaucoup. Il y était en comme ça et en poudre et en compact. Mais moi je le voulais en poudre, donc je suis super contente. Ça franchement c'est un bon plan et à 75 centimes, enfin, tu payeras jamais un highlighter qui a l'air de cette qualité à Sephora Oka, 75 centimes. Là, franchement, demain, je me maquille avec ça obligé. Même s'il fait 40 degrés, je m'en tape. Je le mets. Demain, les gens dans la rue vont me voir avec de l'highlighter partout. Ils vont se poser la question, putain, il lui arrivait quoi, elle? Et pour finir, donc j'ai pris Mickey House. Donc, c'est un bol comme ça. Parce que Lélé, donc, elle adore Mickey Mini. Et je l'ai payé 75 centimes. Donc, voilà. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc si vous avez déjà testé les produits Shogun, si vous avez Thanos, qu'est-ce que vous avez acheté, si vous avez testé cet highlighter ou cette marque d'highlighter. Enfin, elle fait d'autres maquillages, mais si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à activer la petite cloche. J'ai plein de trucs à vous dire à chaque fois, mais c'est toujours cool de le faire. Et en plus, tout ça, c'est gratuit et puis on se sent soutenu et ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Bye!